Merci pour les cœurs. Bonjour Aline. Marie. Comment vous allez, Marie? Comment tu vas? On est là, bonjour. Vous savez, parfois quand je dois prendre des décisions très importantes dans ma vie, parfois je ne dors pas. Depuis un mois, je tourne sur une décision que je dois prendre, très lourde. Et je pense que l'un des compliments qu'on m'a fait, c'était la personne pensait qu'il m'insultait. La personne me dit, tu es égoïste. J'ai dit, waouh. Est-ce que vous savez combien j'ai travaillé pour qu'on m'appelle égoïste? C'est le travail. Marie Walk. Bonjour John, bonjour Laure. Charles, bonjour. Malheureusement, la société, on est très conditionné. On est très conditionné. Sans que tu ne saches même ce que tu es en train de faire actuellement, le boulot dans lequel tu es que tu n'aimes pas. C'est parce qu'une amie t'a dit, waouh, ils t'ont accepté là-bas, tu as la chance. Elle ne connaît pas les rêves que tu as. Elle ne connaît pas les projets que tu as. Donc, quelque chose te dit quitte de là. Mais tu es en train de rester parce que la situation dans laquelle tu es, c'est la situation idéale pour une autre personne. Je me parle à moi-même. J'aime beaucoup passer du temps seul. J'aime avoir. Il y a des moments où je pars comme ça. J'ai des maisons que j'ai louées parce que je voulais aller là. Quand je veux être seul, je pars là-bas. Je reste. Je fais même 2 jours seul. Parce que je sais que quand je serai dans mon cercueil, jusqu'à j'aurai fermé les yeux, je serai seul avec moi-même. Personne ne va mourir avec moi. Si aujourd'hui on arrive comme ça, on te dit, la reine Jocelyne va mourir, viens mourir avec elle. Tu vas dire non. Même mon propre enfant, quand il va mourir, mon propre enfant ne va pas mourir avec moi. Il dit, l'enfant que tu portes dans ton ventre, tu accouches. Quand il faut mourir, l'enfant a dit, bye maman, bye. Il tentait. Vous êtes déjà parti au deuil de quelqu'un, vous avez vu l'enfant sauter dans le trou, on l'a enterré avec la mère. Parfois, je reste. Et je crois que j'ai tellement développé ce sens de merci pour les cœurs. Qui que ce soit qui est en train d'envoyer les cœurs, là, merci. Ça permet de booster la vidéo. Même quand vous commentez aussi, chaque commentaire que vous écrivez, ça booste la vidéo. Il montre la vidéo à plus de personnes. Chaque décision que tu prends, moi j'ai tellement développé ce truc en moi que quand je suis dans une mauvaise situation, je ne peux pas rester là-bas longtemps. Je ne peux pas, genre. Je pars chez une tante, j'arrive là-bas, je suis mal à l'aise. Je supporte, je reste 1 mois, 2 mois, 3 mois.
Après, je me dis, ouais, supporte aussi, non? Ouais, je ne peux pas. Non. J'ai ce truc-là en moi qui fait que c'est comme une alarme. Je vais rester mon corps ne sera pas à l'aise. Écoutez souvent vos émotions. Parce que ton corps ne peut te parler qu'avec les émotions. Ma Patricia, c'est parce qu'on parle de moi à minuit qu'on va mourir. Je n'ai plus peur des mots. Hein. Je maîtrise les mots. C'est moi qui contrôle les mots. Tu comprends? Je n'ai plus peur. Donc, je ne peux pas venir aux autres dire, oh, parce qu'on a dit la mort, peut-être je vais mourir. Non. Je protège, je connais. Tu dis que Dieu me protège ou quoi? Donc, si tu sors, tu ne peux pas te mettre là-bas, tu sautes dans la mer, tu tombes, tu meurs. Dieu t'a protégé. Tu as décidé. Donc, moi, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur de la mort. Bonjour, Cathy. Elsa, bonjour. Donc, il faut vraiment être très. Parfois, il reste comme ça, j'analyse ma vie, je vois le nombre de choses que j'ai laissées tomber. Parfois, je prends une décision, j'ai peur. Après, je vois le nombre de personnes qui m'influençaient avant. J'ai laissé, je n'ai plus peur de quelqu'un. Et quand il voit, tu viens un peu dans ma vie, tu veux un peu faire genre, pourquoi tu as fait ça? Hein? Pourquoi? Il dit stop. Je ne paye pas mon loyer. C'est ma mère qui m'a même porté 9 mois dans son ventre là. Elle est à morte. Donc elle ne te doit rien. I don't owe you anything. Même l'enfant que j'ai accouché, je ne dois pas à cet enfant. Le chantage que tu veux voir. Quel genre de chantage on va pas te faire? Parfois tu restes comme ça là. Tu as des projets. Tu commences ta page YouTube. Tu commences, tu trouves un petit local où tu payes 30 000 de moi. Je vais commencer les formations ici. Je vais former les femmes. Je me rappelle, j'ai eu en 2018 et 2019, il y a une jeune fille qui me suivait. Très entrepreneur. Entreprenante, dites comme vous voulez. Entrepreneur avec eux à la fin. Elle avait 28 ans. Elle commence à écouter mes vidéos. En fait, c'est comme si elle buvait seulement tout ce que je disais, tout, elle écoutait tout le temps. Elle a commencé à se réveiller. Et il savait que cette jeune fille était dans. Elle vivait dans un Abbé Panda. Vous voyez, quand tu quittes à côté de Trésor Voyage, tu vas vers Baou. Il y a un quartier là-bas. Juste après Trésor Voyage, il y a une station d'essence. Après la station d'essence, il y a plein de trous, 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 trous comme ça là. Et quand tu entres de passer à ta gauche, il y a une vallée. Quand il pleut, il y a beaucoup d'inondations là-bas. Donc la fille, je vivais dans le quartier. Un jour, je suis partie chez elle. Je suis partie chez elle une fois quand je suis arrivée au Cameroun. J'ai regardé les conditions dans lesquelles la fille vivait. Mais en même temps, j'ai vu la vision que cette jeune fille avait. Jusqu'aujourd'hui, elle pense en quoi? Elle se dit, waouh. Parfois, vous ne connaissez pas le prix qu'il faut payer. Femme enceinte, tu peux utiliser le don. La seule chose que vous ne devez pas faire quand vous êtes enceinte, ne mélangez pas la poudre jaune avec la poudre noire comme maintenant vous quitte. Poudre jaune, poudre noire et anti-poison. Ne prenez pas les trois en même temps. Ça peut déranger la grossesse. Ça peut. Donc ne prenez pas. C'est très fort. Donc si vous mettez les trois en même temps. En début de grossesse, là, c'est pas bon. Et je me rappelle la jeune fille. Depuis qu'elle commençait à me suivre, elle ne disait pas son gars.
Et tu sais, quand tu avais un homme, 28 ans, il a peut-être 30, 31 ans. Voilà. Le petit commerce que tu fais, c'est lui qui t'a donné l'argent au départ. Elle était tourmentée ou bien tiraillée entre est-ce que je mets mon mindset, je deviens une femme indépendante ou est-ce que je cherche à rester une femme mariée? Elle n'était pas encore mariée, je rappelle. Est-ce que je poursuis le mariage comme le veut ma famille? Je vous assure, quand je vois la fille, je sentais que si elle continue comme ça, elle a même 2 ans, c'est même beaucoup. Elle va sortir du quartier là, elle va sortir de l'environnement là, elle va sortir du manque dans lequel elle était. Elle avait un esprit de manque qu'on avait mis en elle. Ses soeurs ont grandi dans le manque. Elle aussi. Mais elle est tombée sur ce que j'enseigne. Et c'est comme si elle s'est découverte. Les témoignages que la fille avait. On avait pour projet que elle peut paraître très bien. Et elle me racontait, elle me disait, voilà, dans le passé, j'ai fait la restauration. Après, j'ai eu des problèmes, j'ai mangé mon fonds de commerce. Et maintenant, mon gars m'a dit qu'il faut que j'attende encore peut-être 5 ou 6 mois. Pour qu'il voit s'il peut trouver encore l'argent pour que je relance. J'arrive, je lui dis, ma chérie. C'est vrai que je suis en train d'aménager ma maison parce que je vous rappelle, je vous ai déjà raconté comment quand j'ai aménagé au pays, j'avais même pas l'argent pour payer un an de loyer. Donc, dans tout cet argent-là, j'ai acheté le matériel. Oui, j'ai acheté le matériel. Il dit, ma chérie, viens ici là, on fait tel business. Je me rappelle moi qu'il fallait acheter, c'est elle qui est partie acheter. Et je lui ai dit, je commence avec la petite table. Parce que moi, quand je vais commencer quelque chose, je n'ai pas besoin de faire beaucoup. Je n'ai pas besoin, oh, si je ne loue pas le local que je loue à 5 millions l'année. Non. Je lui ai dit acheter une table en plastique. Une ou deux tables. 8 chaises. Je crois que c'était 2 tables et 8 chaises. Une table, elle allait mettre la nourriture à vendre. Et l'autre table, elle allait mettre les chaises. Maintenant, elle allait, bonsoir, parfaite. Et dans ce que j'ai commandé, dans le plan que j'avais pour elle, pardon, tu peux pas trouver la devanture d'une vente, non. Il y a souvent les gens qui ont la vente, mais ils ne peuvent pas. Du coup, si tu prépares devant sa vente, ça fait que quand quelqu'un vient s'asseoir et boit, il peut manger. Du coup, tu profites et le gars de la vente profite aussi. Et dans le plan, il lui avait dit, bon, si tu fais ça même pendant 6 mois, parce que c'était une fille qui avait la main du business. Si tu fais ça pendant 6 mois, après ça, tu prends l'argent que tu as. Tu pars maintenant, parce que tu auras développé une clientèle, une réputation avec la nourriture que tu peux pas. Tu dis maintenant des clients que bon, je vais déménager bientôt. Je vais partir dans tel endroit. Tu prends ton petit local où tu vends aussi un peu la viande, ta nourriture, et tu fais maintenant ta boisson. Voilà comment tu as ta petite vente que tu as ouverte. Elle dit oui. Maman, elle est partie acheter des choses. La femme m'a tellement fait mal que ça fait 3 ans, j'ai même pas encore. C'est maintenant qu'elle parle même de ça. J'avais jamais parlé de ça. Elle apprenait comme ma petite soeur. C'est pour ça qu'elle veut plus mettre moi les épaules. J'ai même plus le cœur sur les gens. J'ai même plus le cœur sur vous. J'ai même plus les poumons. Je n'ai même plus les poumons. Quand quelqu'un vient me parler, oh, je veux changer. Je dis, c'est bien. Je te dis, donne un conseil, tu pars. Si tu veux faire, tu fais. Tu veux pas faire, tu laisses. Voilà la jeune fille. Elle achète tout le matériel. Elle achète des marmites. Je crois que le premier que je lui ai donné, c'était 100 000. Non, s'il y avait des chaises, tout ça, ce n'était pas seulement. Ça devait être peut-être 150 000. Parce qu'elle achetait des marmites, les plats, les chaises, les tables. Il y avait encore quoi. Je crois que c'est un peu ça le minimum. La prochaine fois, elle allait peut-être prendre les thermos, quelque chose comme ça, si je me rappelle. Elle achète, elle dépose. Quand elle dépose comme ça, là. Parce que moi, j'étais toujours sur mes vidéos. J'ai toujours fait. Ça fait 6 ans que je fais les vidéos. Je suis sûr que si elle doit faire n'importe quoi à côté, je ne peux pas me lever pour les faire. Le lendemain, elle devait venir. Elle ne vient pas. Le surlendemain, elle ne vient pas. Je l'appelle. Elle ne décroche pas. Je dis, Wanda, c'est quoi ça? 3 ou 4 jours plus tard,
Elle vient chez moi, elle dit qu'elle venait prendre. Elle avait un de ses matelas qu'elle avait laissé. Elle dit qu'elle vient récupérer son matelas. Elle arrive, elle a les yeux baissés comme ça là. Je dis, c'est quoi? Elle me dit, la nuit où je suis rentrée, j'avais acheté les choses. On a eu une dispute. Il m'a tapé. Il m'a déshabillé. Il m'a traîné. Il m'a humilié dans le quartier. Il a appelé ma mère. Appelé mes soeurs. Dit que voilà votre fille, dit qu'elle veut, que je veux qu'on fasse l'enfant. Elle dit qu'elle va aller ouvrir le restaurant. Ici, elle prépare ça. Le médecin a dit que ça va chauffer son ventre, elle ne pourra pas concevoir. Que le feu va chauffer son ventre. Que dites-lui maintenant, soit elle choisit, elle part, soit elle reste chez moi. Et si elle reste, elle arrête. Ça, c'est ce qu'elle me dit 4 jours plus tard. Et elle n'a même pas raconté à moi, elle a raconté à un gars qu'on connaît, celui qui me l'a présenté. Non, elle a suivi mes vidéos en ligne. Quand je suis arrivée, elle m'a présenté un jeune homme qui faisait des courses pour moi. Et après, quand j'avais pu aller joindre, donc, elle m'a présenté le gars. Je dis plutôt l'inverse. Ce jeune homme qui me dit, est-ce que tu sais que... Elle ne m'a pas dit. Elle vient, elle baisse seulement les yeux. Elle dit qu'elle ne fait plus, qu'elle est désolée, elle part. Je reste comme ça, je dis, mais qu'est-ce qui se passe avec la fille? Que le gars l'a humiliée copieusement. Elle est partie. Quand elle m'a dit comme ça, qu'elle ne faisait plus, je n'ai même pas voulu. C'est seulement dire pas de souci. Elle est partie. Quelqu'un qu'on a fait peut-être 9 mois, on se parlait presque tous les jours. Du jour au lendemain, comme ça, son gars a fait, elle a arrêté. Pas. Il dit yes. Vraiment, pour être honnête avec vous, depuis là, je n'ai même pas eu de ces nouvelles. Je n'ai pas demandé, je n'ai pas cherché à savoir. Je ne sais pas si elle a finalement eu l'enfant qu'elle cherchait. Je ne sais pas. Mais je ne peux pas vous dire le nombre de personnes. Le nombre de personnes, même parmi vous, même moi, on abandonne ce qu'on veut. Tu sens dans ton cœur que je dois faire ça. La fille avait les idées. Elle reste comme ça. Elle m'appelle, elle me dit, tu sais, tata, j'ai envie de faire plutôt ça. Que regarde, j'ai un peu testé les fruits sur le marché. Il y a beaucoup de femmes qui ont la paresse pour acheter les choses et rentrer à la maison découpées. Que si on commence un peu bien là, je peux acheter les fruits au marché. Je peux au marché, ça n'a qu'à j'achète. Je découpe, je mets au congélateur dans le plastique. Plastifier les fruits, ce n'est pas compliqué. Plastifier les légumes, ce n'est pas compliqué. Les feuilles vertes, ce n'est pas compliqué. La tomate, ce n'est pas compliqué. Tu achètes la machine qui scelle là à 22 000 à Bobby. Tu achètes le plastique, le rouleau de plastique de 1 km. C'est peut-être 5 kilos comme ça là. Ou 3 kilos et demi, je pense. Le rouleau là, c'est combien? Ou c'est 12 000 euros. Tu achètes ton gros combo de fruits ou de trucs là, des légumes. Tu découpes, tu découpes, tu découpes, tu découpes, tu découpes. Tu payes même deux personnes au quartier là. 1000 francs la journée ou 1500. Écoutez, le business est... Bonjour la reine Olga. Le business n'est pas compliqué. Tu fais, tu alignes dans le congélateur. Tu alignes dans le congélateur. Tu postes. Quand quelqu'un achète, tac, tu mets dans le... Au début, tu peux livrer toi-même. Un jour, j'ai acheté le pain. Il y a une femme qui faisait du pain complet, du pain au lait complet et du pain normal au lait. Elle a garé la pagaie au-devant de ma maison pour me livrer le pain. Elle te vendait au minimum pour 7 000. Donc tu as acheté au moins 7 000 avant qu'elle vienne. Mais elle a garé la pagaie. Elle m'a donné le pain. Elle descend la vitesse sur le pain, elle me donne. Et elle a les enfants dans la voiture. Vous savez quand elle a fait les livraisons. Elle a fini le boulot. Elle est partie chez les enfants à l'école. Elle les a mis dans la voiture. Elle a mis le pain dans la voiture. Elle allait livrer aux gens. La fille, accessoirement, elle a des idées comme ça, là. Que non, tata, tu sais, on peut faire ça. Et quand elle te parle d'une idée, tu dis, ok, va alors demain regarder. Le soir, elle va te venir avec le business plan, le coût. Elle va te dire qu'il faut 48 750 pour commencer.
Et je lui disais toujours que les dons que tu as, ma chérie, si tu as confiance en toi, si tu as confiance en toi, mais seulement une seconde. Vous savez ce que ça m'a pris d'avoir confiance en moi? Do you know what it takes? Ça demande que tu laisses tomber les opinions des gens. Ça demande que ta famille te regarde comme une folle. Toutes ces petites soeurs sont mariées. Regardez-la là-bas. Regardez-la. Regardez-la là-bas. Parfois, vous pensez que... Parfois, c'est même ton mari. Ton propre mari, là, il te laisse. Je t'ai parlé, tu n'as pas écouté. Regardez, elle est partie, elle a quitté, elle est partie en bain. Dix ans plus tard, ma chérie, tu as tes papiers, tu as fait ta formation, tu es devenue infirmière. Tu as trois business que tu as lancés au pays. Tu reviens, tu cherches tes enfants. Je sais que si tu restes au Cameroun, ou bien si tu restes au Congo, je ne sais pas quel est votre pays, tu allais rester toujours dans ces mêmes tourbillons. Certains d'entre vous, vous pensez que pour partir au Canada, il faut avoir 10 millions. Certains, tu es au pays là-bas, tu as les diplômes. L'idée n'est jamais tombée dans ta tête. Quand ça vient, me dit, non, non, il avait laissé mon mari à qui? Il avait laissé mon mari à qui? Il avait. Un jour, une femme vient dans mon bureau, le mois passé. Elle vient pour la consultation, elle me dit que ça fait 10 ans que son mari est parti en bain. Depuis qu'il est rentré, non. Il est parti. Plusieurs fois, il est tombé dans les relations. Et puis, il voulait même se marier. En fait, il voulait abandonner sa femme. Et question argent. Il n'a pas l'argent de la femme. Il a porté la femme, allait mettre la femme dans leur maison familiale. Puisque ses parents sont morts. Donc, c'est la maison familiale. Maintenant, dans la maison là-bas, il bagarre avec les soeurs du mari tous les jours. Parce que les soeurs aussi sont dans la maison. Pour lui, c'est comme tu étais mis là-bas, tu ne payes pas le loyer, c'est bon. Il allait avec trois enfants. La famille a été dit, j'ai mangé l'argent de notre frère. Elle dit que maman, me voici. Même 5 francs, je le vois. C'est même moi qui prends encore son argent pour bien gérer. Vous voyez, c'est que s'il envoie son argent à ses soeurs, c'est qu'elles vont tout manger. Et après, elle dit... J'ai trouvé l'opportunité pour partir au Canada. Je voulais lui demander. Je veux qu'il me libère. J'ai dit, yeah, Mboutou quoi, so. Mboutou quoi, so. Oh, oh. Tu ne gères plus les opinions. Même mon propre père m'a découragé pour acheter ma machine à coudre. Voilà, tu as finalement fait. Quand tu as une vision, quand tu as ton plan dans ta tête, parce que vous êtes très fort pour laisser les gens vous décourager. Ce que tu as dans la tête maintenant, c'est ce qui va te donner, ce qui va te permettre de percer demain. Ce qui va faire que dans 5 ans, dans 10 ans, tu restes sur ta voiture, tu as ton argent qui tourne, ça, tu n'as pas besoin de quelqu'un. Je ne sais pas quel est le problème avec l'indépendance. Et vous savez pourquoi ça énerve les gens? Les gens ne veulent pas que vous soyez indépendant parce qu'ils veulent toujours avoir à parler sur votre vie. Bonsoir, le roi Blaise. Ils veulent toujours que... Non, 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 non. Si vous faites un truc, tu viens demander à la personne. Où est le mal si demain tu es indépendante? Tu restes comme ça, tu te veux te lever pour aller acheter ta marchandise. Tu veux partir à Dubaï acheter la marchandise ou en Turquie. Tu pars, tu ne demandes pas à quelqu'un. Tu n'attends pas, on t'insulte. Oh, 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 en portant même les 2 millions là pour te donner, on t'a insulté ça jusqu'à. Je
Et demande à la femme là dans mon bureau que, ma chérie, tu es bête. Tu viens de me dire qu'en 10 ans, il a eu au moins 3 ou 4 relations. Et que si ça marchait, c'est qu'il les épousait, il te laissait, il t'abandonnait. Maintenant, tu me dis, tu as de vouloir faire le Canada, mais tu ne veux pas, tu as peur que. Et ma chérie, rends-toi à l'évidence. Ça fait 11 ans que tu n'as pas vu ton homme. Il ne l'a pas vu avec tes yeux. Ça veut dire que votre dernier enfant a au moins 10 ans ou 11 ans. Il n'envoie pas l'argent. C'est toi qui fais tout pour les enfants là. Tu ne penses pas que ces enfants méritent un futur meilleur? Alims, quand tu peux cotiser les petits montants pour faire une chose, demain tu vas cotiser les grands montants pour faire. J'ai des périodes où sortir 50 000 pour acheter quelque chose, pour moi c'était comme, il fallait que j'attende 3 mois. Aujourd'hui, en une journée, je peux rester comme ça, je peux avoir l'idée d'un projet. Je me lève, je décaisse l'argent. On trouve la maison en un jour ou deux. On aménage la maison le lendemain. Donc, je vais te montrer que ça, tu évolues. La Bible dit que ne simplifie pas les petits commencements. Et le même principe que tu as appliqué aujourd'hui pour acheter la machine de 45 000, demain tu vas appliquer ça pour acheter la maison de 50 millions. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous ne pensez pas que vos enfants méritent mieux? Ma chérie, tu es dans ton film seul avec tes enfants. Tu n'as pas encore compris ça. Hein? Même leur propre père, là. Ils n'en foutent pas de tes enfants. Hein? J'ai dit à quelqu'un aujourd'hui que moi je vois les actes des gens. Je ne vois plus la volonté ou les paroles des gens. C'est déjà passé pour moi, c'est old. C'est vieux. Je vois les actes. Qu'est-ce que tu as fait? What did you do? C'est ce que tu as fait qui m'intéresse. Tout le reste là, just leave them. Je voulais, je veux, j'avais l'intention. Tu sais, si ça marchait, j'allais. Je voulais faire, mais tu sais, c'était dans mes projets. Je demande à quelqu'un aujourd'hui que voilà, depuis 2 semaines, tu n'as pas fait telle chose. Non, non, c'était un projet. C'était un projet. J'ai dit, hein? Tu projetais. Depuis 2 semaines que tu es là, tu fais chaque jour, tu es là, tu dors. Tu dors, tu dors, tu dors, tu es sur le téléphone. Tu as le projet? Oh. Adi, merci pour la récompense. Donc, j'ai rencontré Badjoune à l'IMS. D'accord. Moi, je dis toujours, quand moi je rencontre les gens, parfois, quelqu'un est là. Tu peux passer, tu vois une fille comme ça, là, elle est assise là-bas avec son gars. Ne présumez pas, n'anticipez pas ou ne pensez pas que les gens sont heureux. Ce n'est pas parce qu'ils sont assis ensemble comme ça qu'ils sont heureux. Attendez, je vais vous donner le toli. Le petit Congo, ça. Ma copine m'a dit, elle m'a raconté des histoires. Ça m'a plu jusqu'à. J'ai dit que yeah, je vais donner le badge. Si elle rencontre les femmes là, je vais leur donner le badge. Elle dit que la première femme est. Histoire. Pardon, dites-moi que raconte. Écrivez cela que raconte. My God. Non, non, ça a le goût. Quand j'ai écouté l'histoire, ça m'a plu jusqu'à. J'ai dit que yeah. Une femme peut être sage comme ça. Wow. Vous aimez le toli, je connais. Elle m'a dit qu'elle a un ami.
Il ne lui a même pas dit le pays là où il est. L'ami envoie sa copine avec laquelle il est. Il partait. On va supposer qu'il partait à Dubaï, non? Ok? C'est déjà les gars qui aiment les boîtes de nuit, qui aiment l'ambiance. Il aime se faire voler les grosses voitures, les grosses chaînes, les trucs comme ça, non? N'est-ce pas? Il a lavé l'anga. Je crois qu'ils vivaient ensemble, mais ils n'étaient pas mariés. Il a dû les bâtir à Dubaï. Je ne vais pas vous dire le pays où il partait parce que si la fille en suit l'histoire, elle va savoir que c'est elle. Je te cherche, ma chérie. Si tu suis ça, tu sais que c'est toi. Écris-moi en inbox. Je vais t'envoyer la billet, tu vas boire. Il partait à Dubaï, non? Il s'entend avec sa sanga. Que bon, chérie, il porte, on va dire la somme au hasard, il porte 20 millions. Il donne à la fille. Bon, tu vas arriver là-bas. J'ai une transaction que j'ai faite. Je crois pas qu'il aurait donné en cachet. Elle devait arriver là-bas. Un gars avec lequel il fait le business devait donner à la fille. Maintenant, la fille devait. La destination finale, c'était Dubaï. Ok? Excusez-moi. La destination, c'était Dubaï. Maintenant, il a envoyé la fille. Mais il a envoyé d'abord la fille en bain. On va choisir un pays de main au hasard. Il envoie la fille à Paris. Il dit, bon, chérie, va à Paris, récupère l'argent chez le monsieur et tu descends à Dubaï me trouver. La fille dit, oui, bébé, je t'aime, bébé. Elle porte ses pieds. Il fait son visa. Hein. Elle quitte le pays. Elle part en France. Quand elle arrive en France, elle tient les 20 millions. Hein? Plusieurs personnes ont fait un témoin ici te concernant comment. Un témoin, comment je comprends pas. N'est-ce pas? Il quitte le pays, il part à Dubaï directement, non? Voici là où les choses deviennent sucrées. Il arrive à Dubaï, il attend le sanga. Il appelle. Il dit bonjour le bébé. Alim, tu as acheté ton kit déblocage. Le bac que tu avais fait depuis 5 ans, tu n'as pas eu là. Tu as passé. Tu n'avais même jamais témoigné, Alim. Je voulais vous dire que quand les choses se passent dans votre vie comme ça, venez aussi dire non. Parce que quand les gens me suivent, ils croient que je suis là pour les arnaquer. N'est-ce pas? Oh là, l'histoire, ça me plaît tellement, ça a le goût. Il appelle la fille. Il dit, allô le bébé, l'amour de ma vie. Oh, le poumon de mes reins. Oh, le piment de ma sauce. Ah, on a témoigné mon efficacité devant toi. Ok, je rends grâce à Dieu. Blaiseau. Il appelle son poumon. Elle dit, chérie, je suis déjà en bain. J'ai le fonds de commerce pour commencer, je ne viens plus. Le visa était en bain. Elle avait 20 millions dans sa poche. Le gars, il a failli avoir le. Failli tomber en syncope. Non, comment raconter l'histoire là, ça m'a plu. J'ai dit que non, je vais donner la médaille à la fille là. Oh my God. Et après, je me suis dit que je suis sûr qu'elle avait l'intention d'aller à Dubaï lui donner les 20 millions. Je suis vraiment une sage femme qui est son amie. Ou bien une grande soeur, ou une tata l'a arrêtée. Elle a dit, hey, sors, sors. Sors. Que tu es folle. Tu es folle. Tu pars où?
et à voir le gars comment il vit. Et je suis sûr que ce genre de gars, que il avait même quatre femmes dehors, même cinq gars dehors. Et quand elle donne un petit conseil, comment il va gérer l'argent, il n'écoute jamais. Je suis sûr que ce genre de femme qui lui a donné les années de sa vie, elle le prépare, elle mange, elle le sait, elle fait tout. Elle supporte, il rentre tard, il rentre à 3 heures, parce qu'il revient du bar ou bien de la boîte de nuit. Elle est là, elle supporte. Elle parle que, ouais, j'aime bien l'argent, non, fais comme ça, non. Il n'écoute pas. Vous ne voyez pas vraiment les gens qui s'asseyent comme ça ensemble. Tu vois la bague sur leur doigt. Ils sont mariés. C'est sa femme. C'est son mari. Jamais. Ça, c'est le vrai. Vous n'allez pas me tuer avec ça. Vous n'allez pas me piéger avec ça. Never. Never. Vous avez le nombre de clientes que j'ai souvent eues. Elle te garde la dernière Lexus dehors. Avant, je faisais des thérapies de couple. Je vous dis toujours. Donc, quand j'avais les poneys de couple, la femme peut venir me voir. Après, je parle d'abord, je soigne d'abord un peu la femme. Après, je mets le couple ensemble, je fais le truc. N'étant pas mariée, c'était ma part d'onction là-bas. La gars, tu te gagne une dernière Lexus de l'année où vous entrez parler, la Lexus 2022. Blanche. Et ça, elle te dit, voilà, mon mari, il me menace. Je ne suis pas heureuse. Il passe le temps au bar avec les amis. Oh, tu dis, hey, n'est-ce pas qu'elle vous voit ensemble, on peut te voir en envie, on peut même te tuer en route. Quelqu'un peut même le mettre le poison dans ton verre. Parce qu'on dit, waouh, regardez là, le gars du jackpot. Je souffre avec les enfants à la maison seule. Il ne m'aide pas. Je veux même prendre la ménagère. Il refuse. Alors qu'il a l'argent. Hey, Seigneur Jésus, Seigneur. Je me rappelle une cliente en particulier comme ça. Ils ont au moins quatre enfants qui partaient à Russian College. Prochain collège, c'est 2,5 millions par enfant par an. Donc ça veut dire qu'à la rentrée scolaire, on a le pâté sur 10 millions. 10 millions pour les enfants. Donc si on peut payer l'école de 2,5 millions à l'enfant, on sort 10 millions par an pour nous, seulement pour les enfants, les fournitures scolaires, tout ça là. Donc vous pouvez voir le niveau de vie de la maison. Le nombre de la quantité d'argent qu'ils ont. Mais elle a la vie la plus misérable que tu peux imaginer. Non, non, non. J'ai tiré le chapeau à la femme là. Blaiseau, tu sais, je suis à l'aise. Je ne cherche pas le nombre de vues. Je ne cherche pas moi les followers. C'est pour ça que je vous décourage beaucoup quand vous me suivez. Je ne cherche pas l'appréciation des gens. Quand je parle, je connais ce que j'ai dit. Du coup, ce n'est pas parce que. Je vous le dis souvent, hein, parce que vous voyez, j'ai maintenant. La page a peut-être 27 000 likes ou 28 000. Et les abonnés, c'est peut-être 150, 180 000 abonnés, je ne sais pas. Quand j'avais 5 000 abonnés, quand j'avais même 200 abonnés, je savais ce que je dis. Donc, ce n'est pas parce que je vais maintenant avoir beaucoup de personnes qui vont venir sur mon direct. Ce n'est pas votre présence qui va changer la véracité de ce que je dis. Alims, tu bien, c'est bien comme tu dis toi-même. Tu as dit que tout a changé positivement dans ta vie. Le travail spirituel est progressif. Et je vous dis toujours ça. J'ai une vendeuse de tomates. Dernièrement, elle arrive. Elle s'assoit. Elle me pose des questions, elle me pose des questions. Bonjour, Mohamed. Elle me pose des questions, elle me pose des questions. Il me dit que ouais, elle vend la tomate, non, il ne faut pas qu'elle la charge. Je ne dois pas quand même la charger de choses. Celui qui est au Maroc, si tu trouves un transitaire qui envoie les choses dans ton pays, on peut t'envoyer au Maroc. DHL, je ne suis pas sûr.
Mais si toi-même tu trouves quelqu'un qui envoie là-bas, on peut aussi demander à la poste, parce qu'on envoie certaines choses par la poste aussi. Vous savez que la poste, le Cameroun a la poste, non? Donc, la vendeuse de tomates reste. Elle paie le kit de 55 000. J'ai dit, mamie, le mois passé, tu as pris un kit ici, là, non? Tu viens encore le mois ici, là, tu penses. Ça veut dire que en 2 mois, tu as dépensé presque 120 000. Et tu as fait le lavage de ta fille, là, le mois passé. Elle me dit, oui. Donc, petit à petit, tu veux prendre tous les kits que tu vends. Je dis, ah. Elle dit que le prochain kit qui vient prendre, c'est le kit commerce. Le travail spirituel, c'est petit à petit. Et ça n'est pas parce que tu es quelqu'un que tu touches 5 millions que tu vas te concentrer sur ton travail spirituel. Il faut seulement la volonté. Seulement la volonté. C'est la seule chose dont Dieu a besoin pour travailler dans ta vie. Tout le reste, là, il n'y a pas les prérequis pour la prospérité. La prospérité n'a pas les prérequis. Qui ne m'entend pas? Oui, Blaise, tu peux faire le bain du riz tous les jours. J'ai un monsieur qui me suit là, il est là-bas en Suisse. Il me dit qu'il fait ça tous les jours. Que depuis qu'il a vu ce que le bain du riz fait dans sa vie, il ne peut pas le manquer un jour sans se laver avec. Francky, il faut que tu écrives alors, hein. Écris sur la page en inbox, ou tu prends un des WhatsApp, tu écris dessus. Je peux vous dire le nombre de fois où j'ai eu à prendre des décisions très, très, très importantes pour suivre ce que mon intuition me disait de suivre, pour suivre mes propres idées. Parce qu'on vit sur les idées des gens. On vit sur les idées des gens. Tu as quelque part, Dieu te montre que tu peux faire ça, ça, ça. Voilà le chemin par lequel tu peux prospérer. Quelqu'un vient 2 jours plus tard. Ah, il y a encore quoi dans le... Il n'y a rien ici au pays. Hein. L'argent est fini au pays. J'ai commencé à prospérer au pays quand la récession était là. C'est le corona qui a déclenché mon argent. Pendant que les gens... Oh, je n'ai plus le boulot, je n'ai plus le... C'est le corona qui a fait que mes choses font que... Bah, ça a commencé à donner. Quand le corona a commencé, j'ai rasé mes cheveux. J'ai rasé mes cheveux. J'étais dans mon petit appartement de 75 000 là que je vous dis toujours. Je bossais jour, hier, les jours, je dormais à 3 heures. Vidéo, vidéo, programme, conférence en ligne, coaching, mince. Je gérais même 5 types d'ateliers. Atelier de confiance en soi. Atelier de gestion du temps. Je faisais l'église. Atelier de ceci. Bah, ne me posez plus les questions. Hein. Moi, j'ai ta première urine du matin. Ne me dérangez plus. Comme tu n'as pas dormi là, ça veut dire que ton pipi ne sera pas la même chose. Francky, je ne vois pas un pays sur la terre où tu ne peux pas prospérer si tu n'as pas les papiers.
Tu crois qu'il faut absolument les papiers pour prospérer. Rose, tu dis que tu as pris le. À ta grande, je suppose que tu as eu le bébé. Rose, écoutez, ceux qui me suivent et qui font déjà mes produits et tout ça là, je sais que vous allez encore faire même. C'est même dans 4 ans que vous allez voir ce que mes produits auront fait dans votre vie. Je vous dis. C'est dans 4 ans que tu vas aller sur ça, tu vas voir que yeah, j'avais fait l'examen d'infirmier 3 fois, j'ai échoué. Depuis que j'ai pris les produits, là, j'ai passé mon examen d'infirmier. J'ai lancé mon petit business au pays. Je l'appelle même pas le business petit. J'ai eu ma nationalité. J'ai eu telle chose. Tu as accumulé, tu vas voir qu'en 4 ans, les choses que tu étais là-bas depuis 15 ans, tu n'avais pas. Tu as eu tout en 4 ans. Tout. Acheter même la maison. En 4 ans, tu as fini même de payer la maison. C'était même avant le corona, si j'ai bonne mémoire. 3 ans même avant le corona. Je suis rentré au pays en 2019. Le corona a commencé en 2020. Oui. Parce qu'avant que tu changes, avant que ta vie ne boume, ça commence d'abord dans le spirituel. Et avant que ça commence dans le spirituel, tes pensées doivent changer. Mais ça là, ça peut changer, non? Que moi aussi, je peux avoir les papiers, non? Moi aussi, je peux prospérer, non? Pourquoi tous les gens qui n'ont pas les papiers ont l'argent, moi je n'ai pas? Je vous parle toujours de mon ami que j'avais en Angleterre. Avant que je ne connaisse l'homme là, je me disais que c'est quand j'aurai les papiers que j'aurai l'argent en Angleterre. Je rencontre le monsieur, c'est un Jamaïcain. Il ne connaissait pas bien parler l'anglais. Vous connaissez les Jamaïcains avec un bonbon, là, un bonbon. Tout ce qu'ils savent faire, c'est insulter les gens. Il avait une belle Mercedes. Une maison, il vivait seul. Il faisait le sport, il était discipliné. Et je me rappelle maintenant, il avait des petits trucs comme les encens qui brûlaient. Il avait une chambre dans sa maison où il avait des trucs comme les encens. Il avait un livre de prière là où il lisait, il faisait des déclarations. Genre, j'appelle l'argent à moi, des choses comme ça. J'ai rencontré le gars. J'arrive chez lui. Après, il me dit que je n'ai pas les papiers. Je dis, mais attends un peu. Tu vis même mieux que les gens que je connais qui ont les papiers. Il avait ouvert un restaurant au nom de son frère qui a les papiers. Il avait mis des gens qui géraient. Donc, quand il se lève le matin, première chose à faire, c'est qu'il va aller, il va voir si on a ouvert le restaurant, si la nourriture est bien là-bas, si tout est là-bas prêt. Après, s'il rentre, il fait son sport, il fait tout ce qu'il a fait. C'est le gars qui m'a fait comprendre que tu peux être dans un pays, tu n'as pas de papiers, mais tu vis. Rose Davina, la femme qui a pris ton ventre tout le temps là, il faut que tu m'envoies encore ta photo pour le travail. Et si je ne sais pas si tu as lu de blindage, tu as beaucoup essuyé ça sur ton ventre. Il y a aussi un sel là qu'on vend, le sel maison hantée. Il y a aussi un autre produit là que je n'ai pas encore. Je vais vous parler de ça peut-être la semaine prochaine. Moi, j'appelle ça l'exterminator. Je te lave avec ça seulement 3 fois. Tous les trucs, les marées de nuit, les trucs, ça va sortir, ça quitte toi. L'exterminator est plus fort que le donne-moi tout. Mais là, exterminator et donne-moi tout, là, c'est la bombe. Exterminator, les gens que vous faites le commerce, on ne vous écoute pas, on ne donne pas l'argent. Choses comme ça. Je pense qu'ils préparent ça pour janvier. Mais certaines personnes qui sont venues actuellement à ma caisse pour vendre déjà ça. On les donne même petit comme ça, là, c'est 10 000. C'est plus petit que le donne-moi tout. C'est 3 prises, maximum 4. Tom, tu vas confirmer. C'est pour les cas désespérés. Oh, mon mari m'a chassé de la maison. Oh, on m'a renvoyé du boulot. Ouais, c'est pour le genre là. Blaiseau, tu veux partager? Partager seulement le. Mes vidéos ne tombent pas au hasard devant quelqu'un. Voilà Facebook comme ça là.
Tu vois, tu as fait 5 ans sur place. Hey, papa. 2023, c'est ton année. Rose et David, je ne travaille plus avec Elsa. Je crois que j'avais annoncé ça depuis longtemps. Ça fait au moins 3 mois que je ne passe, je ne travaille plus avec 3 mois. Depuis au moins mai ou avril. Hein. Non, mai. Entre mai et juin. On était en accord, après on était en désaccord, donc on ne travaille plus ensemble. Full stop. Je n'ai plus de représentante au Canada ou bien aux États-Unis. Et vous-même, vous savez qu'on poste au pays. On poste à partir du pays. Donc si quelqu'un aux États-Unis dit que gna 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 gna, ils disent manque, pardon, laisse-toi, laisse tout ça là. On poste. Voilà. On poste les choses là-bas. Parce que moi, je n'aime pas qu'on fait le chantage. Moi, j'ai horreur de ça. J'ai pris les représentantes parce que je voulais que, si tu es dans ton pays, que ça puisse être facile pour toi. Il y a certaines représentantes qu'on n'est pas, on ne peut pas aller ensemble. We cannot fit together. Non, je laisse ça. Je n'ai pas la seule. Il y a une là dans un autre pays que quelqu'un la contacte. C'est la personne qui me. La personne vit au Cameroun, vient me voir. Elle me dit, j'ai contacté ta représentante. Elle m'a dit que tu es trop cher. Ma représentante, que je prends ton numéro et mets sur ma page. Hop. Et tu me donnes la, tu me payes pour qu'elle mette ton numéro sur ma page. Elle est trop chère, je vais t'amener chez une autre personne. Donc maintenant, son accord, c'est qu'elle venait prendre le client sur la page et l'amener chez l'autre personne. Elle part, elle accepte. Comme vous aimez le moins cher là. Je ne coupe pas moi dans le sac avec vous. Je ne suis pas pressé. Parce que vous devez savoir que si tu tombes sur ma vidéo et que tu écoutes, ça te parle. Les ancêtres ont quelque chose qu'ils veulent faire dans ta vie. Je ne me suis pas envoyé. Souvent les gens rêvent et disent que je t'ai vu. Tu étais en train de travailler sur moi. Ma mère était derrière toi. Ta mère qui est morte depuis que tu as 5 ans. Ma mère te disait que prends sa main sur elle. Prends ça, fais comme ça. Parce que vous pensez que quand vos parents meurent, ils sont morts. Quand ils parlent, ça, je me lâche de poule. Oh, ma mère m'a abandonné. Me voici en Libye, me voici au Maroc, je suis seule. Ta mère ne t'a pas abandonné. Ce n'est pas parce que la personne a fermé ses yeux qu'il n'est plus. Au contraire. Ça veut dire que tous les gens qui te détestaient, qui ont touché même ta mère, qui ont même tué ta mère, elle va dealer avec eux. Je suis le témoignage. C'est parce que je ne suis pas encore assis un jour pour vous parler de ma mère. Les combats que ma mère m'a menés. Oh purée, vous parlez de quoi? Elle amène la femme chez une autre personne. La personne consulte, donne les remèdes. La fille utilise. La fille rêve dans la nuit. Elle me voit, c'est moi qui suis en train de la laver dans son rêve. Elle me raconte, elle me dit que maman, j'ai pris les produits ici, là, j'ai une autre personne, mais je rêve, c'est que toi que je vois dans mon rêve, que c'est toi qui dois travailler sur moi. J'ai ri. Vous croyez que je suis même. Je ne travaille pas sur tout le monde. Je ne peux pas avoir 50 personnes qui viennent. Je rembourse même 20 personnes. Vous remboursez même votre argent, vous partez. Pardon. Vous devez payer mon tête. Je ne sais pas que les démons qu'il y a dans ton corps là que tu viens, que je retire. Moi, je dois dire avec eux après. Parce que moi, là, je pense que c'est ma simplicité qui fait souvent que. Souvent qu'on me manque de respect pour rien. Ça me dérange même pas. Je suis pas là pour vous impressionner. Je n'ai que faire de ça. Like, I don't care. J'aime même parfois quand j'arrive quelque part, on me sous-estime. Ça me plaît, moi. Ça me fait, je me repose. Parce qu'on te reconnaît. Oh, 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 je ne me dérange pas. Si vous saviez, ton père meurt, ta mère meurt. Il cherche qu'on va montrer à l'enfant c'est comment. On est mort, elle n'a pas pu venir nous enterrer parce qu'elle n'avait même pas les papiers. On va faire comment pour libérer l'enfant si. Parce qu'ils savent qu'on t'a attaché comme tu es là-bas en bain depuis. Tu es sorti du pays comme ça, on t'a attaché. Que tu vas caler à Dubaï, tu n'avances pas. Tu es à Dubaï là-bas, tu tournes depuis, tu tournes.
Tu es au Maroc, les gens ont traversé. Les gens traversent devant tous les jours. On devant traverse devant toi tous les jours. On vient, on te traverse pour traverser. Le jour, c'est toi qui pars, il y a un problème. Le jour, c'est on peut te mettre dedans, on dit, wow, on ne peut plus, on ne fait plus. La prochaine fois qu'on envoie les gens, on ne te met pas. Vous ne comprenez pas? Vous ne comprenez pas? Il y a des jours où je porte tellement qu'après ça me fatigue. Je passe même souvent 2 jours comme ça là. Je suis fatigué. Je dis que non, 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 non. Ceux qui ont pris les consultations, depuis 3 jours, je n'ai pas consulté. 3 jours. Même les VIP, je n'ai pas consulté. Donc si vous me contactez pour la consultation, hein, soyez vraiment patient. Vraiment. Soyez vraiment patient. Il y a certains de vos travaux que je prends souvent comme ça là. Vous ne connaissez pas les trous spirituels dans lesquels je dois partir pour vous retirer. Une me contacte et me dit que là, voilà, en France, là-bas. Elle est aux urgences tous les jours. Elle a annulé son voyage qu'elle avait fait. Elle a encore remis le voyage pour le 8, ou c'est le 8 ou c'est le 7 août. Elle est à l'hôpital actuellement. Elle devait déjà avoir voyagé. Elle est à l'hôpital, on ne voit rien. Marie-Lise, vous êtes bien, après tu sens que. Mais c'est Simon, souvent il voit les messages comme ça là. Il répond pas moi, parfois il répond comme ça là. Il faut avoir la paix. Et je dis toujours, lavez-vous avec le sel. Il y a une dame là. Au départ, je suis sûr qu'elle ne faisait pas bien son lavage ou quoi que ce soit. Ce qui fait que chaque fois qu'elle venait, elle ne me voyait pas. L'autre jour, je suis assise à côté du comptable comme ça. Ce n'est pas moi qui ai le téléphone, mais quand vous appelez au Cameroun, ce n'est pas moi qui décroche. Je passais seulement dans sa pièce. Je me suis assise le matin pour la réunion qu'on fait le matin. Je m'assois seulement pour, okay, pour vous donner des instructions. Elle appelle. Le matin, on partait à l'orphelinat. Elle dit, oui, j'appelle seulement pour mon nom. Elle appelle, elle parle, elle parle, elle parle. Après, l'esprit me dit que prends le téléphone, tu parles avec la femme si. Je prends le téléphone et parle, c'est elle qui est en train d'appeler. Chaque fois qu'elle appelle maintenant ou qu'elle vient, elle me voit. Il est également parmi vous. Je suis au pays, je suis à Douala. Je me lève le matin, il dit qu'il n'est pas au bureau. Arrivé en route, on dit que sors-toi là-bas, tu manges. Tu es au bureau en train de m'attendre. Finalement, il te fatigue, tu pars. Dès que tu pars, 5 minutes après, je viens. On te dit, fais ton travail, tu n'as pas fait. Lave-toi au sel, tu n'as pas fait. Tant que ton énergie n'est pas déjà à un bon niveau là, on ne peut pas. Même si je te prends par appel, la connexion va se couper. Ça va faire tchit, 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 tchit. Oui, même quand on te bloque du travail dans une entreprise, oui. La fille que son gars est en Bengala et que quoi, quoi, quoi là. On bloque beaucoup les mariages des gens de Bengala. Beaucoup. Il y a des personnes qui prennent le numéro la première fois que la personne appelle. Première fois de ta première fois, c'est moi qui décroche. C'est pour ça que je suis en train de passer sur le bureau du secrétaire. Je passe seulement ça pour partir dans mon bureau. Le téléphone sonne. Je prends, je commence à parler. Ça arrive rarement. Je vais vous parler d'énergie. Le monde ici, le monde spirituel couronne le monde physique. Ça couronne le monde physique. L'autre jour, j'ai fait les offrandes à l'eau. Il y a une femme là que ça n'a pas de problème. C'est un autre décret. Je passe sur la liste des offrandes à l'eau. J'ai laissé la femme avec 2 autres personnes, un couple. Alors que ça fait 2 mois qu'elle est sur la liste d'offrande à l'eau, je n'ai pas fait. Quand le jour, si je ne me suis encore rendu, et quand je passais, j'ai regardé son nom. Je me suis dit que non, ce que je l'ai déjà fait la dernière fois. Le soir, il me dit, maman, tu n'as pas fait mon offrande à l'eau. Je lui ai dit que tu vois, ça c'est des signes.
Avec même l'offrande, ce n'est pas seulement ça qu'on va faire. Il y a encore d'autres choses qu'on doit encore refaire. Il y a une qui a envoyé son témoignage aujourd'hui. La femme l'a chose fait derrière moi. Elle a un fils comme ça que quand tu le regardes, c'est mon sera. Les esprits qui a suivi. Je ne sais pas ce que les gens veulent sur les fils des gens. Oui, Alim, s'il y a des gens qui viennent souvent, ça va. Oui, souvent tu viens. Après, quand tu arrives, on me dit que parle avec la personne là. Je te parle. Son fils là avait des blocages. Quand tu regardais l'enfant, tu sentais qu'il était envoûté. Tu vois seulement sa photo. Parce que bon, vous ne pouvez pas, peut-être certains ne pouvez pas lire. Moi, je peux te lire, je peux lire ton énergie, ta photo seulement, c'est tout. C'est ça qu'elle consulte. Je dis toujours que soit on fait la vidéo, je te vois un peu en vidéo d'abord, un peu, après je dis ok, on passe en audio. Soit elle demande d'envoyer ta photo en avance. Tu envoies la photo. Généralement, vous, les trucs là, c'est sur vous. On se voit. Vous ne pouvez pas voir. Mais moi, dès que tu vois, dès que tu regardes, je vois. C'est comme si ta photo parle en fait. Je sais pas, c'est bizarre. Mais je considère que tu es comme ça parle, une voix. Je ne sais pas. Bon, ceux qui font ça comprennent. Vous pouvez savoir de quoi je parle. Donc je regarde le fils de la dame, maman. Donc quand tu regardes, c'est comme si on voit sur lui, c'est quoi. La femme l'a marché derrière moi. Après, j'ai dit que mamie, pardon, laisse, ne me contacte plus. Laisse-moi. Elle dit, j'avais. Elle a même payé la consultation VIP. Son énergie et moi, ça n'allait pas. Elle a tellement marché derrière moi pour qu'elle la consulte. Elle dit que j'ai payé le VIP. Non, j'ai dit que mamie, moi, je paye le VIP. L'énergie ne donne pas, je ne peux pas te parler. Tu te laves avec le sel. Elle dit oui. Tu fais ceci. Elle dit oui. Je dis, bon, pour atténuer les choses, fais au moins, envoie ta photo et te lave d'abord. C'est ça pour au moins diminuer ce qu'il y a sur toi. Elle envoie, je lave. Même après ça, ça ne va pas. Je lui dis, j'envoie encore. Elle envoie pour son fils. Je fais un deuxième lavage. Après, je lui dis, ma chérie, le Jacques, c'est là. Hein. Laisse, va ailleurs. Elle dit, maman, je pars où? Que non, 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 non. Son fils est parti de la maison depuis 6 mois. Tu vois, Jacques, tu es en France avec l'enfant comme ça, là. Vous connaissez les amis qu'ils ont, tu ne connais pas ce qu'ils font avec leurs amis, là. Wow, 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 pop, après, il part. Voilà. L'autre jour, je suis arrivé, j'ai fait un travail au village là sur lui, un sacrifice. Et en faisant ça, mais quand j'ai jamais fait un sacrifice, l'animal a fait comme pour le gars là. J'ai dit que mamie, ça c'est le début du travail, on n'a pas encore commencé. On n'a pas encore commencé. Donc chaque mois, même pendant un an, tu vas faire quelque chose sur l'enfant là. C'est que tu sais qu'il est perdu, c'est que tu auras porté tes 9 mois pour rien. Il fait ça dimanche. Jeudi, aujourd'hui, elle m'envoie un message. 13h50, elle m'envoie le message. Elle me dit, maman, je suis dépassée. Bon, donc, depuis que mon fils est parti de la maison, sa chambre est vide. J'ai fait le travail dimanche. Et elle-même, elle fait ses bains, elle fait ses trucs comme ça. Elle dit que j'ai resté hier. L'enfant m'écrit. Il dit que est-ce que je peux venir à la maison? Maison qui n'est pas passée depuis qu'il est parti. Je dis oui. Et je vous ai appris à prier, parler sur la photo de l'enfant. Ceux qui ont fait le kit fondation, par exemple. Dans le kit fondation, j'explique aussi beaucoup de choses. Il dit aujourd'hui à 11h, il sonne. Juste avant 11h, il a sonné. Il entre. Tu accouches ton enfant, après il part, il fait comme s'il ne te connaît plus là. Voilà l'enfant qui est assez seul, il dit à maman que maman, je peux venir à la maison. C'est que émotionnellement, il ne faut pas savoir ce que ça fait. Tu vois, quand ton enfant part, tu ne comprends pas. Tu ne sais pas ce qui arrive à l'enfant. Tu ne comprends pas.
Tu parles, tu grondes, tu vas taper un garçon qui est là, qui est à la base, mamie. Un père, tu vas le taper. Elle dit qu'il est resté au salon un peu, après il est monté dans sa chambre. Il s'est lavé. Je ne sais pas si il a dormi ou. Après, je vois que, je ne sais pas si elle avait écrit, il était encore à la maison. Je lui ai dit que ma chérie, ça fait 4 jours on a fait une autre étape de son travail. Il est venu au moins une fois, non? Ne te dérange pas. La patience. Parce que souvent, quand vous me contactez, vous faites comme si votre tête pèlait. Là, ça m'énerve. Je vous insulte même pour rembourser votre argent. Partez. Vous pensez même que quoi? Et vous aimez qu'on vous arnaque. Allez voir les Béninois, ils vont vous arnaquer. Allez les voir. Vous n'aimez pas que quelqu'un te dise que fais ton lavage au sel chaque jour. En te lavant, parle, appelle le nom de ton enfant. Envoie ta photo et fais ton lavage. Et parfois, te dire que là où tu es là, c'est même dans 6 mois que tu vas voir les résultats. Mais quand tes résultats vont sortir, ce sera les résultats consistants. Pas le genre que 1 mois ça va, 1 mois ça va pas. 1 mois ça va, non. Quand ça va commencer, ce sera consistant. Parce que tu auras confiance. Tu connaîtras que non, comme je suis là. Toi-même, tu vas voir, non? Toi-même, tu vas voir. Parce que vous aimez le mensonge. Vous aimez ça, vous aimez. Non, donne-moi, je vais t'envoyer un savon. Tu vas te laver une fois, ton fils va venir. Oui, il va arriver, ouais. Vous aimez ça. Donne-moi, je vais te faire un truc comme ça là. Et puis tu vas traverser une fois. Tu vas arriver là-bas, tu vas avoir les papiers le même jour. Tu fais ça, ne donne pas. Après, je vais dire, wow, il m'a escroqué. Je suis parti dans tellement d'endroits. Quand vous venez chez moi, me dites ça, je vous dis, qu'est-ce que tu dis que chez moi, ce sera différent? Quelqu'un vient l'autre jour, me dit, ouais, j'ai payé 197 000 chez une autre femme. Je ne suis pas la seule personne qui fait ce que je fais. Malheureusement, je ne suis pas les autres personnes. Je ne les écoute même pas. Je ne sais même pas qui c'est. Je ne peux pas vous dire que je connais. Quand j'ai vu quelqu'un aujourd'hui me dit, je suis aussi une autre femme. Il y a une autre femme en France qui fait ce que vous faites. Elle louche un peu comme ça. Et il dit le nom. Je dis que papa, il ne connaît pas moi. Je ne connais pas. Je ne m'inspire pas d'une personne. Je reste mes messages qu'on me donne, soit les ancêtres qui me donnent. Je viens et vous donne. Nicole, tu ne te parles plus. Tu veux qu'elle fasse quoi? Est-ce que tu as fait quelque chose par rapport à ça? Vous avez vos situations, vous restez, vous attendez que le Père Noël vienne vous arranger la relation avec le fils. Papa Noël va venir arranger mamie. Et au sort. Pia, Pia. Pia, Père Noël, oh, you are. Vous savez qu'on organise, on détourne vos enfants. Tu portes l'enfant. Tu te casses pour que l'enfant vienne en bain. Tu arrives en bain, l'enfant ne te connaît plus. Hop. Soyez très vigilant. Je vous dis que vous revenez, il y en a parmi vous, vous revenez de loin. Et je le sais, je sais que beaucoup d'entre vous, vous me regardez. C'est même dans 3 mois que vous allez me contacter. Parce que le moment n'est pas encore venu. Marie-Lise, il y a un remède qu'il faut que je te donne. J'ai repris dans. C'est le remède du commandement. Blaise, je ne sais pas les qui sont venus te témoigner. Je sais que vous, les gars de Mengla, il y en a même en Belgique. Vous me regardez seulement. Vous me regardez, vous faites. Je dis que la petite fille, là, ne vous dérangez pas. Petite fille va venir grande fille un jour. C'est un truc que j'ai appris, que j'apprends encore, c'est la patience. Et tout que tous les gens qui m'ont, vous m'avez méprisé là, vous m'avez vu comme ça là, que moi simplifié. Ne vous dérangez pas. J'arrive. I'm coming. Il y a beaucoup de personnes en France,
Et regarde, il dit, oh, la fille, c'est là. Je dis, ne vous dérangez pas. La seule personne qui me fait peur sur cette terre, c'est quelqu'un qui grandit chaque jour. C'est quelqu'un qui s'améliore chaque jour. Et quelqu'un qui a la vision, la détermination. Quelqu'un que tu ne peux pas distraire de son objectif. Tu arrives et tu dis que viens pas manger, viens pas en boîte de nuit, viens pas faire ceci, viens, mais il te dit que non, je dois finir ça. Je dois finir ça. J'ai commencé, je dois finir avant de rentrer. Ça énerve, non? Quand tu viens, tu as un plan de nourriture, bah, viens pas au restaurant manger. Non, 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 je fais pas de pause. Tant que je finis pas ça, il me lève pas d'ici. Ça t'énerve, non? Quand tu vois quelqu'un qui est concentré comme ça, là, tu te dis, mais c'est quoi ça? Elle se prend pour qui? Tu aimes ton travail plus que qui? Ça se poursuit. Tu dois poursuivre ta vision. Même pour te libérer, tu dois poursuivre ça. La liberté se poursuit, ça s'arrache, ça se conserve. Les autres, quand moi j'avais fait mes choses, hein, tu dis que quand j'ai décidé de rentrer au pays, moi quand j'ai décidé ma chose, même si j'ai n'importe qui, tu ne peux pas m'enlever maintenant ça de la tête. Et t'as un ben là-bas, non? Après, moi j'ai dit que je rentre au pays. Quand je venais, je venais pas pour caler. Je venais seulement pour faire 3 mois, après je remonte. J'arrive au pays, Dieu me dit que tu ne montes pas. Souvent, il me demande que tu restes au pays. Pourquoi? Je dis que Dieu m'a dit de rester au pays. Dieu m'a dit que c'est ta terre promise. Et jusque-là, Dieu n'a pas menti. Ah non, 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 non. Si je restais en Europe, jamais je pouvais pas être là où je suis. Jamais. La liberté que j'ai au pays. Eh maman, j'aime pas les restrictions. J'aime pas les lettres à la poste avec les écritures en rouge. Final notice. Attention, madame. Vous devez, vous avez. Je n'aime pas. J'aime pas les contraintes. Et j'agis pour rester dans. Parce que les gens croient que. Ok, je n'aime pas. Tout le monde n'aime pas. Même celui qui va se lever demain. Comme il est 3 heures là, non. Tu vas te lever à 5 heures pour aller travailler, non. Ça ne te plaît pas, non. Tu as fait quoi pour ça? Tu as fait quoi pour que cette situation s'arrête? Rien du tout. Quand, moi, ma philosophie, quand tu n'aimes pas quelque chose, change. Je suis fatigué de souffrir. Ça fait 10 ans que je suis là et tourne en rond. Ça doit s'arrêter, Seigneur. Quand je fais mon bain de sel, je prends mon kit, je fais ceci. Seigneur, ça doit s'arrêter. Je suis fatigué. La fatigue se montre par un acte. C'est pas la bouche qui dit qu'on est fatigué. Tu es fatigué d'une relation, pose tes pieds, tu sors, tu pars. Hein? Et si fatigué, hein? Ce mariage m'énerve. Hein? Tu es toujours là chaque jour. Ça fait 10 ans que tu dis ça. Tu es là, non? Louise, tu n'as pas besoin de me voir physiquement. Je travaille à distance sur les gens. Tu tournes comme le CD qui n'a pas de gravure. Hein? Aïe, 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 vous avez des expressions. Quand j'ai compris que le paradis est là où je suis, mes pieds sont où? Mes pieds sont aussi, mes pieds sont dans un pays, je suis au Gabon actuellement. Tu veux venir prendre le thème? Le parfum là s'appelle Exterminator. Tu arrives et tu demandes à Exterminator. Ils vont m'écrire pour demander que c'est quoi. Parce que je n'ai même pas encore donné le nom là-bas à Douala. C'est un truc qui est encore dans les coulisses de fabrication. Mais c'est déjà prêt. Ils ont ça sur place à Douala. J'ai laissé ça là-bas hier en rentrant. Parce que je suis arrivé ici là hier nuit. Donc tu arrives et tu dis que tu veux le parfum Exterminator. Ils sauront que c'est toi.
Et bien précisé, ne prends pas ça plus de 4 fois. Ce sont des trucs très, très... Je sais, prends ça quand tu as une situation vraiment forte. Donc même si tu prends une fois, tu gardes. Peut-être dans 1 mois ou 2 mois, tu as une situation. Tu prends encore. Ne m'attendez pas pour venir acheter vos produits. Ne m'attendez pas. Vous n'allez pas me voir. Parce que viens me voir au Cameroun, tu es là, mais je ne te vois pas. On me dit qu'il ne doit pas te voir. Tu as compris maintenant? Maëlys, Solène Maëlys, j'ai cherché le nom de ça. Quand j'étais ado, là, j'ai réfléchi, c'est que je vais donner même quel nom. Parce que moi-même, j'ai testé ça, j'ai vu que non. Le truc, c'est fort, ça secoue le corps. Ça secoue le corps. Quand tu prends ça comme ça, là. Bon. Tu parles. Tu sens que tous les blocages qu'il y avait sur toi, là, ça tombe, ça tombe. Ne pas prendre ça tous les jours. Tu prends tous les jours, c'est pas bon. Parce que ça va... Après, ça va perdre son efficacité. Pour Paris, là, c'est pas encore à Paris. Hein. Avant que le produit arrive à Paris, ça sera vraiment. Ça va mettre du temps. Moi, je vais d'abord vendre en Afrique. Les Parisiens, là, ils attendent. La prospérité est là où tu es. Tu es dans quel pays? Écrivez votre pays ici en commentaire. Je demande vraiment l'argent aux gens. Quand tu es quelque part, tu dois voir comment les gens la vivent. Chaque société a un besoin. Tu me suis? Chaque société a un besoin. Voilà, Cameroun, Douala, États-Unis, Belgique. Paul, moi je vais m'enlever, pardon. Paul, bye bye. Je ne sais pas pourquoi tu es sur mon truc. Ton phone inbox, ça veut dire quoi? Le pays là où tu te trouves là. Bon, les Decepticons ne commentez pas. Hein. Je vois qu'il y a des Decepticons qui ne veulent pas écrire là où ils sont. N'écrivez pas, vous avez compris. Quoi que ça me donne l'argent. Facebook. Souvent, j'aime moi bloquer les gens. Et ça me plaît jusqu'à ça, un goût, un vieux goût. Le pays là où tu te trouves là. Les gens là ont les besoins. Ils ont les besoins. Maman, 1200 euros de salaire. Hey! J'ai dépensé 1200 euros en 5 jours. Parfois, même, je dépense même ça en 1 heure. Maman. Le conditionnement qu'on fait à certaines personnes dans certains pays est... Oh là là. J'ai vécu ça, j'étais un moment en Angleterre, je touchais 980 pounds ou 989 pounds. Un jour, j'ai regardé mon paycheck comme ça, là. J'ai dit, what is this? I don't want this. Je vous raconte toujours, je suis parti, on m'a mis dans une aile des psychopathes, là. Je m'occupais des vieux, il y avait l'aile où les vieux étaient malades mentaux, il y avait là où ils sont normaux. Moi, je travaillais dans l'aile normale. Le soir, il n'y avait pas le staff chez les malades mentaux. On m'a mis chez les malades mentaux. Ils m'ont griffé la nuit. Et ils n'ont pas dormi. Donc, quand tu avais les vieux qui sont normaux, là, tu les mets au lit vers minuit, 1 heure maximum. Ils dorment déjà. Donc, tu peux dormir jusqu'à 5 heures. C'est à 5 heures qu'on se lave, on se lève maintenant, on les lave. À 8 heures, on passe la relève à l'autre équipe. Les gens, là, ont toute la nuit été éveillés. Me griffer, me gronder, me taper. Le jour, j'ai dit que je reviens plus. I quit my job. I'm like, I'm not coming back. What the F is this? No, I'm not doing this. Quand je suis parti, ça m'a pris des années.
J'avais une idée, je travaille sur mon idée. J'ai une idée, je travaille sur ça. Tout mon argent partait pour investir sur mon business. Même aujourd'hui, tout mon argent, c'est seulement pour le business. Très rarement, je me fais plaisir. Très rarement, je me fais plaisir. Un peu d'argent comme ça, là. Il me manque quoi? J'ai besoin du trépied. J'ai besoin de la caméra. J'ai besoin d'un bon téléphone performant. J'ai besoin de des fois avec la grande mémoire. J'ai besoin de. Parfois, je pars chercher une maison quelque part où j'ai la paix. Parfois, je cherche une maison qui est dans un endroit où c'est un coin qui c'est calme. Parce que c'est là-bas que je suis inspiré et j'ai le calme pour faire mes vidéos. Lydie, tes enfants veulent me voir. Les os. J'ai appris l'anglais quand j'étais en Angleterre. La prochaine fois, tu me dis, alors je vais voir tes enfants. Prochaine fois, tu viens. Peut-être je vais les voir, mais te voir toi-même. Parce que j'aime beaucoup les enfants. Toi, tu avais peur, non? Pour les vidéos, tu avais peur de faire. Je crois que tu faisais partie des gens qui étaient là la dernière fois. Non, Alim, ne donnez pas vos produits à tout le monde. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quel est votre problème. C'est pour ça que mes produits, je ne les vends pas partout. Apprends aussi à être privé avec tes choses. Tu veux prendre pour aller donner aux gars, pourquoi? Si le produit c'est pour que le gars te regarde bien, que tu aies la faveur aux yeux du gars, tu mets sur toi, tu peux aussi donner au gars. Ça fait le gars maintenant la faveur avec une autre fille. C'est pas tous ces secrets qu'on montre aux gens. Arrêtez d'être généreux à ce point. La sagesse est importante. Ah, il faut être sage dans la vie. Pardon. Montre tous tes secrets aux gens que tu es folle. Je vous disais tout à l'heure que chaque pays a un besoin. Dans le pays où tu es, Marie dit. Je vais prendre les produits pour le gars. Je vous dis toujours, moi je. Parce qu'il y a des gens qui partent gâter vos relations. Donc les produits que je fais, c'est dans le cas où quelqu'un est venu et c'est ce qui est le plus probable. Parce que quand quelqu'un est avec toi, il est bien un moment après, il n'est pas bien avec toi, il est bien après, il n'est pas bien. C'est quelqu'un qui est tiraillé. Donc c'est pour restaurer la faveur que tu avais avec lui au départ. C'est pas pour manipuler le gars. C'est pas pourquoi le gars devient fou de toi, il oublie sa famille. Il s'oublie lui-même, il prend tout son argent, il vient te donner. Je pourrais faire ce genre de truc, mais je ne le fais pas. Parce que pour moi, manipuler la volonté de quelqu'un, ce n'est pas nécessaire. Maintenant, il y a parfois des opportunités. Tu rencontres quelqu'un, avant que sa famille n'intervienne en allant travailler de leur côté, il veut être avec toi. Il sait que c'est toi qui veux. Parfois, il y en a même qui est parti toquer à la porte. Il est là, toquer à la porte s'est cassée. Bon, c'est moi qui dérangeais mes expressions en moi. Il n'est pas dit toquer la porte, après il n'est plus jamais venu. Il toque, on ouvre, il fuit. Tu l'appelles maintenant, c'est toi qui cours derrière lui tous les jours. Que chérie, tu as eu toqué la porte chez nous, tu es parti comment? Donc c'est quelqu'un qu'au départ il avait les intentions, après on a gâté. Donc le parfum là, c'est là pour restaurer ce qui a été, pour exterminer tout le manque de l'ennemi dans ta vie. Bon, j'espère que vous avez compris. Alim, tu vas devoir quitter ce garçon. Alim, tu dois quitter ce garçon. Ce gars est négatif pour toi. Écoutez, hein, une femme ne peut pas changer un homme.
Oui, Pamela, ça donne la paix du cœur. Oh, c'est vrai. Rose, Davina, tu es nuisible, tu le gronde. Les gens qui sont comme toi là, hein, mamie, si tu es prête à écouter un peu la vérité, je vais te la donner. Première option, tu as des esprits familiaux qui te dérangent. Ou peut-être même tu as même un mari spirituel. Pas mari de nuit. Mari de nuit, ça se manifeste généralement par les relations sexuelles dans le rêve. Mari spirituel, c'est plus fort que ça. C'est quelqu'un que tu as des. C'est un mari ou ben, quelqu'un qui guette tes relations à chaque fois. Parfois, il a pourvu l'autre personne. Parfois, c'est toi qui l'utilises pour déranger l'autre personne. Bonjour, Changi, comment ça va? Ta soeur va bien. Eh ben, c'est toi qui avais la soeur. Dans la troisième option pour toi, Rose, Rose Davina, la troisième option, c'est que tu es une femme qui a une forte étoile. Et tu es une, j'appellerais ça femme d'impact. Mais tu n'as pas, tu n'es pas en train de faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Maintenant, ça te stresse. Donc, quand tu n'es pas dans ta mission, dans ton appel, ça te stresse. Et cette frustration, tu la mets sur lui. Nico, si tu as fait la libation, c'est bien. Maintenant, tu dois aussi envoyer les sous pour que je fasse ta libation. Je dois faire ta libation au moins une fois. Je sais que vous aimez ça. Vous aimez l'offrande à l'eau, c'est quelque chose que même si vous faites l'offrande à l'eau, vous devez envoyer les sous pour que je fasse votre offrande. Rose de Lima, tu peux même payer la consultation, mais on se parle. Pardon, ne t'excuse pas. Quand le moment va venir, tu vas trouver l'argent. Et quand tu vas trouver l'argent, tu vas payer, on va se parler. T'as compris? Bah, souvent, il y a des. Rose, quand j'entends plus je parle de toi, plus l'esprit me dit que c'est le dernier cas pour toi. Tu as appelé à faire plein de choses, mais tu n'es pas en train de les faire. C'est pour ça que ça, tu as ce truc-là en toi. Blaiseau, toi, on t'a mis que derrière. Tu es censé rester que derrière. C'est vrai que parler pour toi, là. Hein. Pardon. Que derrière, derrière. Donc, tu te caches derrière les autres personnes. Tu fuis là devant, le devant. Le devant des choses. Tu n'aimes pas aller en avant, prendre des décisions. Tu procrastines beaucoup. On va voir après, non. On va décider après, non. C'est ça. Bon, j'ai sommeil. Moi, moi, toi. I want to sleep. L'exterminateur, c'est 10 000. Une petite boîte comme ça. 3 ou 4 prises. 10 000 francs. La libation, tu prends le. Ça peut être le vin ou le whisky, tu verses au sol et tu parles. Une libation, c'est l'acte de verser un liquide sur le sol. En parlant à un dieu ou à un ancêtre. Je n'irai jamais tard debout comme ça, aussi tard. Bonne nuit à vous. Rose, personne ne détient ton sourire. Personne ne détient ton sourire. Si tu veux être triste, tu seras triste. Tu as compris, ma chérie?
La joie, c'est une décision. Tu décides. Et généralement, on est triste parce qu'il y a plein de choses qu'on a acceptées, que les gens nous fassent. Tu es en train de compromettre ta vie. C'est ça qui te rend triste. Plus tu fais ce que ton cœur veut faire, plus tu es heureux. Plus tu es heureux. C'est un peu comme si tu remplissais un seau. Plus tu fais, j'ai envie de ça, tu fais. J'ai envie de ça, tu fais. Je veux faire ça, tu fais. Je pense à ça, tu fais. C'est comme ça. Ça monte. Donc, je crois que si tu es triste maintenant, tu connais ce que tu dois faire toi-même pour changer les choses. Bon, bonne soirée. On se parle demain.